Monsieur le représentant résident de l'USAID au Tchad. Madame la chef de mission de l'AEV. Honorables invités, mesdames, messieurs, chers participants. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'Association pour le dialogue entre les jeunes de diverses religions et chères, de vous remercier vivement pour avoir répondu à notre invitation. Monsieur le représentant de l'USAID, je voudrais, au nom des participants à cette conférence, remercier l'organisation que vous dirigez avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement empreint de humilité sincère. Votre troisième subvention pour l'organisation de cette conférence nous encourage et nous réconforte dans notre but. La DGR, avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire plutôt modestes, a abattu un travail de titan. Ce travail notoireux a permis aux jeunes d'échanger ouvertement et publiquement sur le sujet de la religion. J'ai saisi cette opportunité pour remercier les associations de la société civile du Jamais et les participants d'Apéché, Dati, Amtiman, Biltin, Bol, Bongor, Touba, Faye, Pata, Kirtimi, Yarga, Mundou, Moussoro, Mao, Kumhaja, Laï, Saar, qui malgré la fatigue et les difficultés de la route, effectuer le déplacement pour prendre part à cette conférence. Je voudrais remercier la présence parmi nous des consultants de l'Institut Salam qui ont apporté leur riche expérience et appui technique pour la préparation et l'organisation de cette conférence qui vise à outiller les participants sur les stratégies de la mise en œuvre efficace des projets de dialogue inter- et intra-religieux dans notre pays. Honorables invités, mesdames, messieurs, réunir les jeunes leaders des 17 régions du Tchad, issus de différentes religions, pour parler de la nécessité de faire valoir ses croyances pour obtenir un monde meilleur, constitue un grand événement qui sera inscrit dans l'histoire de notre pays.